Guys, something I want to talk to you about. So I've been asking myself, what happens to all these years on the field that we spend together? Because it's not in the wins and losses, I don't think. It's not in the stands. It's not in the TV cameras. It's definitely not in the trophies. I think it's in this moment we get to live together. Thanks to rugby, it's given us these bonds that we get to experience between us as teammates, but I think it's also given us these bonds that we get to experience with those we face, those opposite us on the field. And it's not to do with the level either, amateur, pro, it doesn't matter. It doesn't matter, it's to do with the game itself. And I think this is true wherever you go on the planet. We all know this. But here, southwest of France, the Basque region, it's intense. I felt it before you guys got here. It's as present as the mountains and the ocean too. So Thierry, Richie, you guys have been fighting each other for years. There's no bigger example of devotion to this game and what it means. And it's so cool that for the first time in your lives, you're going to be on the same team. Gitz, Kelly, you guys have been huge for your teams. Game changers. But also the camaraderie, the spirit, the joy that you bring, that's just as important. It's so, so big. So we're going to go up against each other one more time. Go get your teams ready. C'est donc ici, sur l'une des terres saintes du rugby, dans l'extrême sud-ouest de la France, pays hôte de la Coupe du monde de rugby 2023, que va se jouer une histoire pas comme les autres. Une histoire d'adversaires passés et futurs. Un derby capital entre deux villages, où ce qui compte n'est pas ce qui les sépare, mais ce qui les rassemble. Au Pays Basque, c'est sûr que c'est une religion. Quand tu es tout petit, tu rêves d'avoir un ballon dans les mains, de faire comme les grands que tu vas voir le dimanche parce que tu es allé au stade avec ton oncle, ton père, ton cousin. Il y a toujours quelqu'un dans la famille qui joue au rugby. Il y a cette fierté de défendre ses couleurs et son petit village. Ouais. Oh putain, c'est lui quoi. C'est génial quoi. Bonjour. Je suis fan de vous. Oh, super. Vous êtes très gentil, merci. Merci. Bonjour les gars. Bonjour. Ça va bien? Bonjour, santé. Pascal. Pascal. Quel plaisir. Ça va bien, un plaisir, vraiment. Super, c'est chez toi ici? On est chez moi, voilà, c'est des amis. Oh, super. Voilà. Bonjour. Que ce beau monde. Ah, super. Alors, tu es arrière? Tu joues arrière? Je joue à 10 centre. 10 centre? Ouais. Oh, super! Ah, ça, c'est bon, ça! Et tu tapes tir au but? Ouais, je bute. Ouais. Oh, il faut qu'on on le fasse ensemble. Pas de problème. Ça, c'est sûr. Quand on trouvera un petit peu de temps, vraiment, pour l'attaquer. Pas de soucis. Oh, yeah. Mais ça fait combien de temps que tu as joué? Oh, ça fait depuis 6 ans. Hein. J'ai 6 ans que je suis à Saint-Pé. J'ai connu Saint-Pé depuis tout petit. Incroyable. J'ai entendu que tu as fait pas mal de choses pour ce club-là. Oui, oui. Pendant les années. Les années difficiles. J'ai donné un coup de main, oui. Oui, super. Saint-Pé, c'est un petit club dans un petit village. Club familial, super ambiance, voilà, un club amateur dans toute sa splendeur. Tu veux mettre ta cour?
Le club a été créé en 68. Il a à son actif 3 titres de champion de France. Tout ça, ça a fait des très belles années. Et tout le monde était à fond vraiment derrière le club avec des bons résultats. Aujourd'hui, l'été d'affiche, tu as 2 joueurs formés à Saint-P, enfants du village, qui jouent en équipe de France. Oh, oh the break from Luca feeds inside to Oliver. Sean Oliver. Captain Fantastic goes over. Saint-P est le club qui fournit le plus de joueurs en équipe de France, vu qu'il y en a 2. Et c'est jamais arrivé. C'est une fierté et pour le club et pour le village. C'est bon, ça a animé, c'est, ouais, c'est ouais. Super. Non, j'ai du monde, c'est bien. Oui, c'est la vraie passion. Oui. Le dernier forum du club, ça a été le titre de champion de France en 2014, dont j'ai fait partie. Tout le club, tous les dirigeants, tout le village, tout le monde était heureux, quoi. Et en fait, d'un coup, il y a plus de 9, ouais, voire 10 joueurs qui ont arrêté. On s'est retrouvés à 19 ans à jouer en Fédéral 3, qui n'était pas du tout notre niveau. On prenait presque 70 points tous les matchs, c'était assez dur. Allez, en place, en place! Le bilan, il est catastrophique. En 3 ans, une victoire. Non, c'est pas exagéré que de dire que le club a failli disparaître. Ça fait mal. On ne peut pas rester indifférent à trois ans de descente aux enfers. Tout le monde est plus ou moins touché. Tout le monde. Et Pascal, hein. Pascal en premier lieu. Pascal, c'est un des rares anciens qui est resté au club, qui a voulu sortir le club de la panade. Quand les deux entraîneurs sont limogés, on va appeler ça comme ça, Pascal prend la tête de l'équipe 1 tout seul. Il a tout fait pour maintenir le club à flot. Il a arrêté de jouer, il a été président, dirigeant, entraîneur. Enfin, il avait pris un petit peu tous les malheurs du club sur un peu ses épaules. C'était assez lourd quand même. C'était très lourd. Parce qu'en plus, voilà, t'as le résultat qui... t'as pas de résultat. En tant qu'entraîneur, c'est difficile. Tu vois que en tant que président, ça part un peu en tous les sens. J'ai passé des moments difficiles, ouais. Il a essayé d'éteindre le feu dans tous les compartiments où c'était un peu compliqué. Et il faut lui tirer un gros coup de chapeau. Il nous dit il y a quelques semaines que voilà, il veut reprendre le rugby, qu'il veut donner un coup de main à ses jeunes, qu'il les aime beaucoup. Je trouve ça beau, c'est chouette. Comment ça va? Ça va, ça va. Avec pour tes moment, aducs. C'est genre, t'as des changements d'appui, ça te fait mal ou ça te fait là, pas Là, ça va mal? Pour le moment. Franchement, je me sens bien. Franchement, et j'ai... La section des abdos, elle est toujours aussi douloureuse, moins, ou c'est comment? Je sens un petit peu quand même. Tu sais, quand on touchait. Au toucher? Au toucher, je sens. Après, sur le jeu, ça va. Ouais. Mais au toucher, quand je m'appuie un petit peu, c'est sensible quand même. Ok. Je vais taper un coup de pied, est-ce que tu me. Enfin, est-ce que c'est prudent de taper un coup de pied pour dégager là? Pour mieux juste qu'on teste de notre côté avant et si c'est bon, ben, petit à petit de le réinclure. Hein. Ok. Bon, allez. Merci. Te refroidis pas trop, on va commencer. Pascal, il est encore de très grande qualité. Il a un gros jeu au pied et c'est un grand buteur. Un grand buteur. Qu'il revienne parmi nous au plus vite pour donner un grand coup de main à l'équipe. Prendre du plaisir et gagner des matchs, enfin. Bonjour, ça va très bien, merci. Merci. Bon. Bonjour.
Bonjour, tu vas bien? Bonjour. Bonjour. Bonjour, ça va? Bonjour, tu vas bien? Bonjour, ça va? Bonjour, bonjour. Mais ça, c'est un beau terrain, ça. Ah, il est magnifique. On n'a que ce terrain pour l'entraînement, pour les matchs. On n'a qu'un terrain. Par contre, il est toujours impeccable. Et le vent? Le vent, ça dépend, oui. Le vent, il faut jouer avec. On connaît, nous, ici. Donc, il faut choisir, il faut choisir la mi-temps où tu joues avec ou contre, quoi. Ce club, c'est d'abord un club de copains, un club d'amis. C'est un petit club, on se connaît tous. Voilà, personne ne se prend la tête. Ils sont jeunes. Jeunes, ils sont attachants. Est-ce que vous n'avez pas une paire de chaussettes à me prêter? Parce que j'ai oublié les miennes. Si, regarde, t'as des bleus là. Vous oubliez pas jamais le slip ou le ramener après. Ils sont quand même, quelquefois, pas tout à fait matures, mais bon, ils s'amusent, c'est le principal. Nous, évidemment, on a des bringers, on a des gars sérieux, on a des gros sportifs, on a qui le sont un peu moins, mais voilà, il faut tout ça pour faire une équipe. Allez, toujours la même chose, hein. On met les mains en évidence pour son coéquipier, on s'appelle, on communique, les gars. Le recrutement est difficile, on n'a pas de moyens. Il y a beaucoup de clubs aux alentours, hein, comme tu as pu remarquer. Sur 20 km, il y a 6 clubs, quoi. Avec déjà Sergent de Luz qui accapare les meilleurs joueurs. Ils sont prêts. Ouais, ils sont. On le garde. Et puis on a un début de saison très, très difficile, avec sur les deux premiers matchs, 5 blessés. Hier, on en a cassé un autre, toujours en avant, en plus. Et là, on joue en ce moment avec ce qui reste, quoi. Hein. Allez. Si on rentre comme je vous vois, comme vous avez envie de rentrer, les gars, ça va être un des meilleurs matchs de la saison, les gars. Alors maintenant, on va arrêter de monter, on va descendre un peu. Et quand il va souffler l'arbitre, là, on remettra les tambours. On a le coup d'envoi, on commence avec le vent en haut. Au premier mi-temps, on va jouer avec la tête, parce qu'on a le vent. On va arrêter de courir comme des poulets sans tête, on va essayer de jouer un peu tactique. Par contre, deuxième mi-temps, si on n'a pas le vent, c'est là où on va voir qui c'est les clébards. Allez, les gars, c'est parti. Allez, c'est ça qui fait de nous être si bourrés. Hein. Alors Chabi, lui, c'est un gagneur qui a l'envie, qui parle sur le terrain, qui rameute les types. Il a cette hargne, cette envie. Il aurait pu jouer à Saint-Jean-de-Luz. Il avait le niveau pour jouer à Saint-Jean-de-Luz. Mais lui, il voulait jouer avec ses copains. Il s'est intégré alors, de suite, quoi. Il est capitaine cette année, et pourtant c'est que la deuxième année qu'il est là. Chabi, c'est le gars qui est très sérieux quand il faut l'être, mais qui est aussi très déconneur. Là, il est gorgé comme un poney, Baban. Il vient de la salle, là. C'est génie, mec. Il est simple, il se prend pas la tête. Il commande du chez nous, il est la chagne. Le neuf, il sent le cul. Le Luz, disons que ça a été une bonne recrue, une très bonne recrue pour le club, à tous les niveaux. En touche, le 5 avec le bandeau, c'est Thomas Claverie. Et Duguay, ben, c'est le talonneur, quoi. C'est lui qui lançait le. Ouais, ouais, le bien 2. Sûr. Yeah, yeah. Allez Mammouth. Arrêtez avec le pied, Chabi. Diokatou à la main. Il est rendu sous Bobby. On fait que taper au pied, on joue pas un ballon à la main. Allez, il faut. Allez, Bobby. Non, Bobby. Saint-Pé sur Nivelle et Cibor s'affronteront dans quelques semaines. Bientôt, mes amis viendront les aider. Bonjour, Jacques Barbier, président de Cibor Rugby Club. Bonjour. Salut, ça va? Bienvenue à Saint-Pé. Merci de vous recevoir. Depuis toujours, c'est un peu un conflit. On va dire que les gars de la côte sont considérés plus comme les surfeurs, les gars un peu cool et les gars de l'intérieur un peu plus bruts. À l'intérieur, c'est peut-être un petit peu plus authentique que sur la côte, parce que c'est vraiment que des vieilles familles basques du coin.
Un derby, ça représente une guerre de clochers. C'est battre le voisin, c'est mieux réussir que lui. Le derby, il faut le gagner. C'est la boule au ventre. Et c'est le match à pas perdre. C'est là, après quelques jours entre vagues et sommets, que l'idée m'est venue. Voilà les gars, l'idée de ce qu'on fait, c'est un échange. Et si on peut monter encore un peu plus la préparation de ce match entre voisins? Tu as hâte de savoir qu'est-ce qui t'attend? Oui, oui. Ouais, je suis impatient. Et si d'ici là, des adversaires directs de ce derby à venir vivent des expériences uniques ensemble? Pascal, qui va aller en Nouvelle-Zélande avec Maguito, ça c'est pas mal. Il a pas mal à la victoire. Tu iras en Nouvelle-Zélande avec Maguito. Ça peut être bon? Oui. Parce que c'est dans 2 jours quand même. C'est OK. tu y es jamais allé? Non, jamais. Non. Tu vas aller en Afrique du Sud avec Thierry de ce toit. OK. Tu vas aller à Madagascar. D'accord. Avec Christian Califano. OK. Je me suis dit qu'il serait intéressant de montrer à des joueurs des deux équipes ce que représente le rugby ailleurs et ce qu'il peut apporter. Nouvelle-Zélande, le pays aux longs nuages blancs tout en bas du Pacifique Sud. D'abord, il y eut les Maori arrivés de Polynésie autour du millénaire. Puis, les Européens, Celtes et Britanniques surtout, il y a 200 ans. Vers la fin du 19e siècle, cette nation émergeant dans la douleur et les larmes a trouvé son identité commune, les All Blacks. Sorte de super-héros qui serait né, selon la légende, d'une fusion spirituelle des guerriers maoris de l'île du Nord et des fermiers européens plutôt issus de l'île du Sud. La légende a depuis traversé et écrasé le monde au gré de nombreuses victoires, toutes précédées du traditionnel Haka. Avec 3 Coupes du Monde remportées, dont la première à domicile en 1987. La Nouvelle-Zélande est la terre promise du rugby. Et c'est là, dans l'île du Sud, que Pascal et Chabé ont rendez-vous avec cette grande histoire. Hey. How are you boys, you good? Fine. Welcome to New Zealand. Enchanté. 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 OK. You ready? Yeah. Let's go. Okay, boys, welcome. My name's Matt. I'll be your Uber driver. Gives it to Gitto, and Gitto to round it off. Brilliant tackle from Gitto. Both rugby players? Yeah. Yeah. In Basque Country. Yeah. Both number 10. Yeah. Who's better? Me, because he doesn't understand English. So I'm the best. C'est qui l'adversaire qui t'a le plus marqué au rugby? Dan Carter, ouais. Maybe Carter. Parce que j'ai joué contre lui, international, en France, super rugby. Au Japon, ouais, super rugby. T'as joué souvent contre lui? Oui. Often, when we play here, we would lose. Ah, yeah. This is New Zealand. Lots of sheep, mountains. Where are we going? Ubermat. Ubermat doesn't know. Pascal, on va où? Là-bas, on entre. Tu dois, en anglais, c'est... T'as oublié. 100 mètres à gauche encore. Là, à droite, pendant 7 à droite. Ouais. C'est quoi ce GPS, là? Ouais. C'est le GPS qui est en mousse ou le compilateur? Ah, c'est pas moi, hein. C'est le GPS qui est nul. Ah, putain, allez. Monsieur Carter. Yeah,
Carter goes for the drop goal. Dan Carter, what a kick! And he's done it again in the final.